I could definitely see things flying at me. And yeah, my daughter was sitting on the window, and she's a, you know, I was just like, don't look, like, let's close it up and let's just pray. So that's what we did. We kind of just held hands and said some prayers. So it was shaky. It was a shaky ride all the way down. Avion et ta voiture. Si l'une de tes réponses était « Je ne tombe pas de 3000 mètres quand j'ai une panne d'essence », nous pensons, toi et moi, clairement de la même manière. Mais c'est un fait, les avions arrivent très bien à continuer à voler quand un de leurs moteurs tombe en panne. Mais comment ça se fait? Tout d'abord, il est essentiel de faire la distinction entre une panne de moteur et la nécessité de couper les gaz. Cela peut sembler étrange au premier abord. Tu n'éteindrais pas ta voiture pendant que tu roules. Mais les raisons pour lesquelles un pilote peut avoir besoin d'éteindre les moteurs pendant le vol sont nombreuses. Une des causes les plus fréquentes est la présence d'un corps étranger dans l'arrivée d'air du moteur. Les moteurs à réaction fonctionnent en mélangeant leur carburant avec de l'air qui s'enflamme. C'est la force de cette explosion qui pousse l'avion dans le ciel. Les moteurs à combustion interne de la plupart des voitures fonctionnent essentiellement selon le même principe. La différence, c'est que dans une voiture, la force explosive est contenue à l'intérieur du moteur et sert à déplacer les pistons et les engrenages qui font tourner tes roues. Tout comme ta voiture, un moteur à réaction a besoin d'une ouverture à l'avant pour obtenir un flux d'air constant. Si tu as déjà conduit au milieu d'une tempête de sable, tu sauras que la présence de débris dans ton moteur ne lui facilite pas la tâche. Pour un avion, ce sont les oiseaux qui représentent le plus grand danger. Certains viennent se prendre dans l'arrivée d'air et ce n'est pas super pour eux non plus. La grêle peut aussi être un problème. Les cendres provenant d'éruptions volcaniques et des grands feux de forêt sont moins courants, mais non moins graves pour les avions en plein vol. L'arrivée d'air, c'est un peu le point faible de l'avion dans un jeu vidéo. Tu vois ce que je veux dire? L'intrusion d'un corps étranger peut entraîner un déficit d'oxygène dans le moteur. La réaction est alors interrompue et provoque ce que l'on appelle une extinction moteur, c'est-à-dire un arrêt de la combustion. Un exemple plutôt humoristique de ce phénomène a été observé dans le cas de l'avion A-10 Warthog de l'US Air Force. En raison d'une erreur de conception, les gros moteurs montés sur le fuselage de cet avion avaient tendance à aspirer la fumée produite par leur propre réaction. Cela provoquait une extinction moteur et la très mauvaise humeur du pilote. Bien que ce problème ait finalement été corrigé, cela montre qu'un peu de fumée peut être très problématique, même pour des appareils militaires haut de gamme. Une extinction moteur peut également être causée par une défaillance de l'avion, généralement au niveau de la pompe à carburant ou d'autres composants du moteur. Quelle que soit la cause, les effets sont généralement les mêmes dans tous les cas. Lorsqu'une extinction moteur se produit, la première action du pilote est de couper l'arrivée de carburant de la turbine défaillante, ce qui l'arrête rapidement et en douceur. Ensuite, le pilote informe calmement les passagers de la panne et descend à une altitude plus basse pendant que l'équipage cherche à déterminer ce qu'il s'est exactement passé. Souvent, l'avion devra atterrir d'urgence, mais la descente ne sera pas forcément mouvementée. L'administration fédérale de l'aviation impose que les avions de ligne puissent voler et atterrir en toute sécurité avec un seul moteur. L'avion en difficulté sera généralement redirigé vers l'aéroport le plus proche, où les secours se tiendront prêts à intervenir, mais davantage par précaution que par nécessité. Une panne de moteur est à prendre au sérieux, mais ce n'est pas nécessairement synonyme de catastrophe.